Ce soir, c'est très, très spécial parce que c'est le dernier jour de l'immersion Imaginons Cémac. Donc, on complète une démarche qui a débuté en juin dernier. C'est très touchant parce qu'on va devoir quitter les lieux qu'on a habités. On continue à travailler pour réussir à compléter la documentation de tout ce qu'on a vécu pour le 31 janvier le présenter aux citoyens à l'église Cémac. Je reviens à la question qui nous a animés au tout début. À quoi ça peut ressembler un espace citoyen dans une église? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Comment on les intègre dans un projet où on tombe très vite dans du chiffre, du pied carré, du volume? Comment on arrive à dire, c'est quoi l'usage citoyen de la place? Quand on est en voyage, on est aussi en train de composer avec les aléas de la vie. On est amené à faire de notre mieux avec ce qui se passe. Tout ça pour dire que le processus de co-design est similaire, parce que le processus de co-design fait avec ce qui arrive. Pour moi, faire le bilan de la troisième semaine, ça m'amène à me repasser aussi les deux premières. Donc la première semaine, c'était vraiment un moment de familiarisation, un moment de découverte, plus pour s'acclimater, pour recueillir les rêves. La deuxième semaine, je sentais déjà que l'espace était habité. Et cette troisième semaine, c'est comme si, pour moi, les portes ont vraiment été ouvertes. Cette semaine, on arrivait à faire le lien entre justement plusieurs sujets. Donc, en traitant de nos ateliers, en tout cas pour les miens, ben, on finissait par parler de l'architecture, du financement, de la gouvernance, du patrimoine. Donc là, tout a commencé à se mêler un petit peu. Puis oui, ça devient assez intéressant. Tout est possible. Les citoyens, on leur demande tellement, tellement rarement. Et on est dans une société où on dit à tout le monde « finances personnelles, retraite personnelle ». Et on ne dit jamais aux gens « OK, don collectif, partage, participation à plus grand, laisser un leg à ces personnes âgées qui pourraient peut-être profiter du lieu tout de suite. Tu laisses ça aux jeunes qui ont débarqué cet après-midi, tu laisses ça aux passants, tu laisses ça aux visiteurs. » C'est pas un leg pour le futur, c'est que ça s'incarne tout de suite, puis c'est dans la durée, dans la constance. Emballé. Très intéressé. Tout aussi, sinon plus, emballé par tout ce qui serait possible quand même de faire. C'est vraiment un processus qui est allé chercher les souhaits, les idées des promoteurs, entre guillemets, mais des citoyens. Cumule ces trois semaines en temps réel, mais c'est plus que trois semaines. Fait qu'il y a tout un cheminement entre chacune de ces semaines. Il restera encore un autre bout de chemin à faire, mais ça sera certainement encore plus excitant d'aller voir des bailleurs de fonds pour réaliser notre projet. Je dirais qu'on a un projet, on a une vision très très forte de l'espace, on est sur un espace citoyen. Là, on dit ce qu'il faut faire, c'est rédiger et dessiner. Ouais. Si le processus est garant de l'avenir, je pense que ça va marcher tout seul.